Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la map, la campagne Zelmatienne les amis. Nouvel épisode, on va tout simplement se faire de l'épandage de fumier les amis. Dans cet épisode là, je vous avais demandé dans l'épisode précédent qu'est-ce que vous aimeriez voir. C'est plus si plutôt du semis directement ou plutôt du un petit épandage de fumier avant de semer. Et ça a été un petit peu partagé franchement, je m'attendais à avoir plus de personnes qui me dirait de l'épandage de fumier, mais vous avez été quand même assez nombreux à me dire directement du semis. Mes amis, dans cet épisode, on va faire de l'épandage, un petit peu d'épandage de fumier, tout simplement parce que j'ai un mode bien sympa à vous présenter au niveau de l'épandeur. Je sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissent, que c'est un mode qui est sorti il y a pas mal de temps, et mais que je sais pas si beaucoup d'entre vous l'avez vu, parce que on l'a pas vu beaucoup en vidéo, et je voulais vous le montrer. Il sera dispo sur mon site, donc cet épandeur. Donc tout le matériel que vous allez voir est dispo sur mon site les amis. Donc pour tout vous dire avant d'attaquer cette vidéo, je voulais prendre la chargeuse libère de Black Chip, vous savez, qui est sortie il y a très peu de temps. Mais franchement les amis, c'était vraiment vraiment trop la merde, parce que j'avais pas commandé le bras avec le joystick, tout ça. Donc bon, je me suis dit Jérémy, t'emmerde pas. Hop, ça va être comme ça. T'emmerde pas, va chercher le classe et tu te feras beaucoup moins chier. Et c'est ce que j'ai fait, voilà. Je me suis pas embêté, comme on dit. Hop, attendez, je m'embête comme ça. Ah oui, recule un petit peu, Jérémy, quand même. Donc l'épandeur, les amis, c'est ce josquin là. Donc je crois que c'est exactement le même que celui de base, sauf qu'il a qu'un essieu. Donc ce qui est plutôt sympa, et vous pouvez regarder dans le shop, on va regarder ça ensemble. Vous pouvez choisir la couleur des roues, soit en jaune, soit en blanc. Soit vous pouvez le prendre en jaune comme ça, soit en gris, comme j'ai pris là. Je trouve qu'en gris ça rend mieux. Enfin bon, c'est un avis perso, mais c'est un mode qui est sorti il y a pas mal de temps. Je vous mettrai sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Il n'y a pas de souci. C'est un mode qui n'est pas privé, donc il n'y a pas de souci. Vous pourrez l'acquérir sans souci. Tac. Allez, on va finir de continuer de charger un petit peu. J'allais justement charger avec la chargeuse libère, mais franchement, c'était vraiment pas pratique. Je voulais changer un petit peu et utiliser une chargeuse comme ça, mais au final, je me suis dit que c'était pas si bien que ça. Donc du coup, j'ai préféré reprendre le petit classe scorpion que j'aime bien, comme vous le savez. Et j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à mettre un gros gros pouce bleu à cette vidéo, les amis, bien sûr, si elle vous plaît. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait vraiment. Enfin, ça fait toujours plaisir. Voilà, un petit pouce bleu avant de démarrer la vidéo, ça fait toujours plaisir. J'espère que toi bien pour vous. Moi, ça va plutôt bien. Je suis vraiment encore content de vous retrouver encore une fois. Hop, on va essayer de pas en mettre à côté par contre. Ah, je dois être plein là. Ouais, c'est que je suis plein. Ah, bah ouais, je suis plein, donc c'est pas une raison pour y mettre à côté, Jérémy. Voilà. Donc, on va aller pendre ça. Alors, je sais pas trop dans quel champ encore. Hop, on va couper le petit gyrophare. Tac. Alors, donc ce petit épandeur, franchement, il fait vraiment plaisir. Il est vraiment, vraiment sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je trouve vraiment stylé. Donc j'ai repris bien sûr le petit case Puma CVX que j'aime bien, hein. Franchement, on l'avait pris dans l'épisode précédent, mais j'adore tellement ce tracteur que voilà, donc j'étais obligé de le reprendre, hop, on va mettre le petit gyrophare. Alors attendez, non, je vais juste voir un petit peu, voilà, sur la carte, oh putain, on voit pas grand-chose sur la carte, tac tac, on est où, Jérémy, où tu es? Merde. Ah, on est là, non, on n'est pas là, on est là, ok, je crois que j'avais, attendez, on va aller voir si je crois qu'il y a le champ qui est à côté, là, qui est juste à côté, qui est en chaume. Ouais, là-bas, donc on va pouvoir aller chaume. On va pouvoir... Oh, je me suis fait... Ah, non, mais sérieux, c'est une blague. Non, mais les bagnoles, là-haut, on se calme, vous allez me laisser passer, merci. Putain, alors ça... Ouais, c'est bon, c'est parti. Ouais, donc je pense qu'on va épandre dans celui-là. Ouais, on va pas s'embêter. Hop, on va répondre dans celui-là, hop, on se met en vue un petit peu en vue extérieure, je pense que ce sera plus sympa. Alors comment il est fait ce champ là? Wouah, putain, il est tout biscornu, ouais bah écoutez, on va y attaquer comme ça, on va pas s'embêter. Sachant que là, bon, il n'y a plus... Alors, on va déplier la porte, non, ça ne s'ouvre pas, faut directement... Ah, l'activer, d'accord, ok. On l'active directement, très bien.
Oula! Jérémy, calme-toi. Calme-toi, on va essayer de faire ça bien quand même. Voilà. Impeccable. Ah, l'entrée était peut-être là-bas, l'entrée du champ, non? Ah non, l'entrée était là, pourtant, mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que le... Ouais. Non, d'accord, ok. Ok, ok. Ok, on fera les fourrières à la fin. Hop, juste l'arrêter comme ça. Mais franchement, j'ai pas été sur le coin de cette map là encore. Et franchement, elle est plutôt sympathique. Ce petit coin de map là, il est sympa. Alors, où est-ce que je suis passé? Je suis passé ici. Hop. Alors, on va faire une petite marche arrière ici. Tranquillement, mais sûrement. Hop. Et là, et on va réactiver à peu près à la même hauteur. Voilà, comme ça. On va essayer de faire ça bien, quand même, un minimum. Un minimum. Donc on est toujours avec le mode saison, les amis, hein, comme vous le voyez. On est au printemps, toujours mi-printemps. Donc on va bientôt attaquer les Smiths dans l'épisode prochain. Je pense que les Smiths, ça va pouvoir attaquer. Hop. Donc là, on va pas s'embêter, on va aller sur la route, il n'y a personne. On va s'arrêter là. Hop. Hop, oh, putain, l'autre il arrive plein de billes. Oh, arrête-toi, Maurice, là. Oh. Putain, c'est fou, ça. Bon là, on va passer à travers, on va pas s'embêter. Là il en manque un petit peu quand même, ça embête un petit peu. Hop, voilà, activé, même si on est pas un petit peu dans l'herbe à côté, c'est pas bien grave. Hop, voilà, comme ça. On va se remettre là, comme ça. Hop. On va faire une petite marche arrière. Petite marche arrière comme ça. Et franchement, ça fait un bel ensemble, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait un très bel ensemble. Avec ce case et... Ouais, franchement, ça rend bien. Ça rend super bien. Enfin, moi, j'aime bien. Ah, comme ça, tous les champs sont fertilisés. Comme ça, c'est plutôt cool. Alors, est-ce que dans l'épisode prochain, il faudrait peut-être qu'on se fasse un petit peu de labour. Ou de... Ouais, à voir. Je sais pas. Bon, là, désolé, je passe à travers la haie, mais c'est plus pratique. Hop, on fait une petite marche arrière sur la route. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Est-ce que dans l'épisode prochain, on sera pas un petit peu de déchômage et de semi en même temps? Parce que j'ai peur que le semi, ce soit un petit peu trop chiant. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais, pourquoi pas se faire du... Hop, attendez, comme ça. Voilà, hop, impeccable. Hop, on va juste faire la fourrière là-bas. Voilà, il en manque un petit peu au milieu. Ouais, c'est pas bien grave. Hop, ici. Hop, on va faire une petite marche arrière, là. Voilà. Et on est reparti. On va prendre la moitié sur la route, c'est pas bien grave. On passe un petit coup de balai après, les amis. C'est pas bien grave. Hop, voilà, bah ça c'est fait, donc on va finir de le... Ah, quoique, il en reste encore un petit peu. Ouais, si, on va continuer d'aller le remplir. Et puis au pire, peut-être qu'on attaquera le déchômage après, les amis. On va plutôt se le faire dans cet épisode-là. Parce que j'ai peur que le SMI, on ait beaucoup de choses à faire après. Je pense qu'on va attaquer le SMI directement après. Donc là, on va déchômer. Ensemble, les amis, on va déchômer, quitte à finir de déchômer dans l'épisode prochain également. Ouais, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de remplir les pendeurs. Finir de le remplir, je réfléchis pour que ça fasse pas une vidéo trop longue non plus. Hop, voilà. Oh putain, mais c'est pas possible, sérieux, mais je les vois pas arriver quoi. Oh, aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Putain, mais et franchement, ils arrivaient à une vitesse. C'est abusé quoi. La vitesse, c'est juste abusé. Hop, allez, on tourne ici. Mettre le petit clignotant. Voilà. Ah, franchement, le bruit du puma, franchement, les amis, il fait. Ah, il fait vraiment ultra plaisir, ce petit puma, c'est juste une... C'est juste un bijou, franchement, ce mode, moi, j'adore. Hop, voilà, tac. Tac, comme ça. Hop, alors. Allez, on va monter dans le petit télesco. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, les amis, on arrive bientôt aux 15 000 abonnés également, ça fait vraiment ultra plaisir. Bientôt les 15 000, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc merci à vous tous qui me...
qui me suivaient, qui prenaient de votre temps pour regarder mes vidéos, bienvenue au nouveau également. J'espère que tout vous plaît, j'essaie de faire du mieux que je peux du moins. Le roleplay, voilà, même si on a un petit peu de mal à se trouver avec Pascal et Sophie en ce moment, c'est vrai que c'est la cadence d'une vidéo tous les 15 jours, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Voilà, on essaye quand même de faire quelque chose, d'en faire assez régulièrement, enfin voilà, de se trouver quand même pour faire les vidéos. C'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu plus délicat, mais bon. Tu vides toi? Rien. Mais voilà, on fait du mieux qu'on peut. De toute façon, les amis, hein, je fais toujours du mieux que je peux, bien sûr. Mon site également vous plaît vraiment beaucoup. Ouais, franchement, je m'attendais pas à un retour comme ça sur mon site. Hein. Franchement, beaucoup, vous êtes nombreux à me dire que c'est un des plus beaux sites de YouTuber Farming. C'est un des plus beaux, des mieux faits. Franchement, les amis, ça me fait ultra plaisir. Hein. Franchement, attendez, on va peut-être se faire un petit peu du intérieur quand même. Question que ça plaise à tout le monde. Hop, ouais, franchement les amis, ça fait vraiment ultra plaisir. Merci, franchement j'ai pas d'autres mots, pourtant j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de fou, mais ça me plaît, et je vois que ça vous plaît aussi, donc c'est bien là l'essentiel, donc merci. Merci pour tout, franchement merci les amis, ça fait vraiment ultra plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, je me suis pas cassé le cul pour rien comme on dit, et ça se voit quoi. Non, franchement merci, merci, merci. Là, ça a du mal à ramasser là. D'accord, ok. Là il y en a un petit peu ici je crois. Hop, comme ça. Voilà, on va se mettre de ce côté. Comme ça, hop. Hop, comme ça. Tac, voilà. Alors, je sais pas si j'espère être au-dessus. Ouais, si, c'est bon. C'est bon, je suis au-dessus. Impeccable. Impeccable, impeccable. Je pense que ce qu'on va se faire, les amis... je pense qu'on va aller prendre le T7 après on va finir de charger ça. Je m'écouterai de finir de l'épandre en hors vidéo. Putain mais ça peine à prendre hein. Putain c'est chiant ça, il en reste plein là-bas. Voilà. Hop, allez on va mettre ce godet là. Oh Jérémy, bravo, tu fonces dans l'épandeur, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Hop. Ouais, on va mettre celui-là ici. Et t'as pas envie de te vider plus, toi. D'accord, t'as pas envie d'aller plus vite. Bon, écoute, va à ton rythme, hein, c'est pas grave. Va à ton rythme. Hop, voilà. Et puis lui, on va le laisser là, je pense. Tac, on va le laisser comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit T7. Non, il devrait être assez puissant, je pense. On va déclencher le sommoir. Bon, j'ai pas mis de masse devant. Bon, tant pis, il n'y aura pas de masse. Dans le jeu, ça gêne pas trop. En vrai, il faudrait mettre une masse, mais... Hop, et... putain, j'ai pas du tout regardé à combien de minutes de vidéo on était. On va pas faire quelque chose de trop long non plus. Hop, on va replier ça. Au pire, on va l'emmener au champ, les amis, puis je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo dans plus de 20 minutes. Parce qu'après, voilà, c'est pas tout le monde qui... Enfin, vous êtes pas tous à regarder des vidéos aussi longues. Enfin, je préfère faire des vidéos de 15 minutes et que vous regardiez entièrement. Enfin, du moins, le plus possible. Et après, quand je trouve que ça fait trop long, après. Ah, putain, mais... Eh, mais sérieux, non, mais c'est une blague, là. Vous avez essayé de me faire chier. Aujourd'hui, les bagnoles, là, c'est fou, ça. C'est fou, c'est fou. Allez, comme ça, on va juste aller au champ, puis on va se quitter là-dessus, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on va déchaumer ensemble et semer dans le... Alors, attendez, je vais attaquer peut-être ici au milieu. Ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Attaquer comme ça. Hop. Tac, voilà, comme ça. Ok. Tac, voilà, c'est plutôt bien. Ouais, ça va plutôt bien, ça fait un bel ensemble. Bah écoutez les amis, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. Bien sûr, pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.